bien. C'est une situation malheureuse. Très, très malheureuse, monsieur le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité. Bienvenue une fois de plus à votre rendez-vous, votre magazine qui reçoit les candidats présidents de la République. Le scrutin prévu le 23 décembre 2018. Ils parlent de leurs idées, ils parlent de leurs programmes, spécialement à travers les différentes thématiques que nous allons aborder ce soir avec nos confrères Élisée Ouamara-Kiza, il est de Canal Congo Télévision, et moi-même, Michel Koyakpa, pour le compte Canal Congo Télévision, non seulement pour conduire ces débats, mais aussi pour d'autres thématiques, trois fondamentalement que nous allons aborder ce soir. Il s'agira de réformes institutionnelles. La seconde thématique aborde la question relative à la paix, sécurité et diplomatie. Et la troisième thématique aborde l'économie et aussi les infrastructures. Ce sont ces trois thématiques qui seront abordées à travers la vision et les idées d'un candidat président de la République. En l'occurrence, ce soir, nous recevons Monsieur Gabriel Mokia, il est candidat président de la République pour le compte de son parti, le MDCO, Mouvement des démocrates congolais. C'est avec lui que nous allons, en tout cas, débattre de ces différentes thématiques à travers son programme, à travers sa vision. Que pense-t-il pour le Congo? Comment développer le Congo demain s'il est élu président de la République? Gabriel Mokia, sur ce plateau de rendez-vous, vous êtes les bienvenus. Et voilà, en même temps que M. Gabriel Mokia est en train de prendre place sur le rendez-vous. M. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonjour, M. C'est un grand plaisir de vous recevoir comme candidat président de la République pour le compte de MDCO. Merci. Votre parti, le Mouvement des démocrates congolais, face à trois thématiques fondamentalement. La première qui sera tout à l'heure abordée, ce sera paix, sécurité et diplomatie. Que pensent les candidats Mokia pour le retour définitif de la paix, notamment dans l'est du pays et d'autres points chauds de la République? Que pense Gabriel Mokia sur la sécurité? Là, on parle, on voit les réformes, notamment de l'armée, de service de sécurité, on verra. Et aussi la diplomatie. Comment faire en sorte que le Congo puisse en tout cas retrouver sa place dans le Conseil des Nations? Ça sera la thématique qui sera abordée par Élisée Ouamara. Bonjour Élisée. Bonjour Michel. Vous êtes face à Gabriel Mokia, le candidat président de la République. Voilà, Monsieur Mokia, bonjour, bienvenue à ce plateau. Merci. Voilà, Monsieur Mokia, d'entrée de jeu, avant que nous puissions développer dans le fond la thématique paix, sécurité et diplomatie, une toute première question, c'est d'une manière générale, quelle lecture Gabriel Mokia fait-il de l'armée congolaise, de la police nationale congolaise et des services de sécurité, avant que nous puissions projeter au cas où vous êtes élu président de la République? Merci beaucoup pour la question. Je crois que ces mots combat d'attente concernant notre armée, concernant notre police et nos services de sécurité. Je l'ai toujours dit, une fois élu président de la République, je vais d'abord commencer par la sécurité, l'économie pour atterrir dans le social. Alors, puisque la question relève immédiatement de la sécurité de notre armée, réforme de l'armée, je vais commencer par faire une réforme de l'armée dans le sens de chasser tous les étrangers qui se trouvent dans notre armée et dans notre police. Avant d'arriver d'abord là, une lecture d'abord de notre armée actuellement, de notre police actuellement, des services de sécurité. Nous savons que vous avez longtemps décrié le fonctionnement des services de sécurité, mais en ce moment, une lecture brève, en tout cas, de M. Gabriel Mokia. Merci. Bon, je crois que l'armée a la bonne volonté aujourd'hui de gagner toutes les guerres et de protéger l'unité nationale. Mais il y a comme quelque sorte de combine associée. Donc, je prends un exemple. À son temps, l'armée voulait aller prendre la ville ici qui m'a échappé à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu un ordre qui est arrivé pour que l'armée ne puisse pas avancer. Ce genre de choses-là,
Ça a commencé depuis Mbusa Mabe qui voulait entrer au Rwanda. Il y a eu un ordre. Les ordres mal donnés, quand l'armée avance, l'armée maintenant est stoppée illégalement. Tel n'était pas le cas avec les militaires de MLC à l'époque. Et ils avançaient normalement parce que c'était une cause réelle qu'ils défendaient pour que les Congolais puissent se retrouver aujourd'hui et que les peuples du monde puissent avoir peur des Congolais. Malheureusement, il y a perméabilité dans nos frontières héritées de la colonisation parce qu'il y a faille quelque part dans l'armée. Alors comme il y a faille dans l'armée, il faut une personne pour pouvoir ramener l'armée dans sa force d'attente. Et cette personne, c'est Gabriel Mokia. Effectivement. Voilà, allons dans le fond alors. Gabriel Mokia, président candidat, président de la République. Ouais. Et si au 23 décembre, après les élections, bien sûr, les Congolais vous choisissent comme président de la République, comment entrevoyez-vous commencer avec cette armée que vous venez de décrire, cette police que vous venez de décrire, et même les services de sécurité, parce que il suffit de circuler à travers les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'une manière générale, il y a de ces personnes, tout, d'une manière à l'aise, se disent qu'elles appartiennent aux services de sécurité. Je ne sais pas, ce sera la même continuité avec Gabriel Mokia. Non. Vous savez, pendant la Deuxième République, c'était allé, le vieux c'était allé, c'était un type de service de sécurité. Il peut se retrouver n'importe quel lieu, même dans un matanga, le lieu de deuil. C'était là, malgré qu'il était métis, mais vous ne pouvez jamais savoir que c'était type de sécurité. Mais moi-même, je faisais les affaires dans ces bateaux, je savais que le vieux est là. Mais c'était, tu ne peux pas savoir. C'est comme ça, un homme de service de sécurité. Aujourd'hui, moi-même, une fois, j'étais quelque part, et un type, il ne savait pas que c'était Mokia. Il créait peur des autres, il dit, je suis de la nerf. Il s'adressait à moi. Moi, je lui dis, je suis Gabriel Mokia, l'opposant du gouvernement Kabila. Et vous êtes de la nerf, c'est-à-dire que demain, je vais te gérer. Oh non, excusez-moi. S'il a fait ça à moi, ça, le savoir. Donc, c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... les gens ne veulent pas se comporter avec discrétion. Comme il n'y a pas de discrétion, c'est comme ça qu'on doit vivre. Alors, deuxième volet, c'est-à-dire que les gens qui confondent le travail des services de sécurité, le rôle de l'ANR et d'autres services, c'est d'aller tricher la technologie ailleurs et les mettre en exergue. Les mettre en application dans notre pays. Tricher ce que les autres font. Les Chinois aujourd'hui peuvent abattre un avion des Américains ou ceci. Ils vont dépiécer cet avion. Ils vont étudier et fabriquer le même modèle. Voilà ce qu'on appelle l'ANR. L'ANR n'est pas que... Oh, moi j'ai causé avec une fille et la jeune dit, moi aussi j'aime cette fille et elle commence à me créer des problèmes. Ça ce n'est pas l'ANR. Alors, la vision de Mokia. Ma vision, c'est que ces gens-là seront discrets. Ils seront des grands tricheurs des technologies dans d'autres pays. Et nous allons en affaire ici. Les gens, même de l'administration publique, de tous les services, OVD et consorts, ils doivent aller voyager, tricher ce que les autres font en matière de route dans notre pays. Moi, je viens avec plusieurs propositions que je vais soumettre à mon gouvernement. Le Premier ministre va pouvoir accepter et exécuter ce que je vais lui dire. Ce n'est pas que je me réveille un matin pour aller dans mon bureau de bon marché. Arriver même à l'entrée, il n'y a pas d'entrée. C'est une avenue, une route publique. Les taximens bloquent, les gens de pousser bloquent. Il y a des gros trous. Le président de la République passe là, il ne dit rien. Le gouverneur de la République passe là, il ne dit rien. Le bourgmestre lui-même, il est existant, inexistant. Alors, des choses pareilles, moi, je vais les bannir. Et je vais entrer maintenant avec l'armée de notre pays. Et comment ça va se passer? Lorsqu'on sait actuellement, il y a de ces militaires, parlons de la situation dans l'est du pays, il y a des militaires congolais
leur tenue se retrouve dans le camp des rebelles, et c'est la population qui décrit cette situation. Et voilà comment est-ce que Gabriel Mokia pourra sortir de cette situation. C'est une complicité. Et l'armée qui va gérer Gabriel Mokia ne sera pas comme ça complice des pays voisins. Le tenu militaire de notre pays, les militaires de notre pays se retrouvent de l'autre côté. Les gens qui transportent, ce sont les gens. Quelqu'un qui est dans l'armée patriotique rwandaise, il est aussi dans l'armée nationale congolaise. Vous voulez qu'est-ce que vous allez faire d'essai, vous voulez dire. Qu'est-ce que vous pouvez compter avec cet homme? Il préférerait servir son pays au détriment du Congo. Alors moi, je vais faire le toilettage dans l'armée. Comment est-ce que vous allez le faire? Oui, vous n'êtes pas congolais, vous ne pouvez pas tenir le drapeau. Jamais de la vie. Je ne suis pas là, je ne serai pas là pour te tuer ou te menacer, mais je vais t'écarter de l'armée. Tu peux faire autre chose. Au Congo, il n'y a pas que la police et l'armée, il y a d'autres choses. L'agriculture, par exemple. Vous pouvez faire l'agriculture. Les sociétés congolaises, idem. Le fonctionnement des entreprises de notre pays sera contrôlé réellement par les filles et fils de notre pays. Parce que quand vous regardez le budget élaboré, ce n'est pas la dimension de notre pays. C'est un budget qui fait l'objet de moqueries. Alors, l'armée ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle est tentée de faire aujourd'hui. C'est impossible. Nous, dans notre armée, on joue seulement les défensives. Ouais. Mais il faut attaquer la diversité. Les gens comme le Ougandais, ils viennent nous tuer ici, oui. Mais moi, je ferai comme Mobutu. L'armée doit entrer jusque là. Frontière Ouganda-Congo. Nous allons pénétrer à 50 km. Pour que pareil cas ne se répète plus. Voilà l'armée que moi je vais mettre à la disposition de notre peuple. Ne me posez pas la question, est-ce que vous allez trouver l'argent? Parce que la non, mais il se pose un problème de motivation, c'est ça le problème. C'est ça que je vous ai dévancé. Je ne voudrais pas que vous puissiez me poser cette question. Mais le revenu est moindre, monsieur Mouka. Non, mais moi, le salaire d'un militaire, d'un policier. Quand nous allons entrer dans l'économie, je vais vous développer pour voir où est-ce que je vais trouver l'argent pour sécuriser cette armée. Mmh. L'armée ne peut pas seulement nous sécuriser. Nous devons sécuriser aussi les militaires pour qu'ils apportent leur sécurité auprès de nous, auprès des plateurs, auprès des entreprises, auprès des frontières héritées de la colonisation. Nous ferions un Congo meilleur qu'il y avait à la dimension où passait Lumumba. Voilà. Mais si nous gardons seulement l'armée, que vous voulez voter les gens qui ont échoué, ils ont échoué dans tout. Même dans la gestion de l'armée, ils ont échoué. Vous voulez maintenant leur faire confiance, le compte de leur bouger, nous allons retourner toujours dans la situation d'antan. Voilà. On peut violer une femme dans notre pays, il n'y a pas de revendication. On peut voler les coltans, on peut tuer les Congolais, on peut prendre même des territoires. Vraiment, on peut occuper des territoires et incendier des localités tout entières. Mais l'armée est là, on dit non, quittez cet endroit. Mais est-ce qu'il y a l'implantation de certains fils de certains pays dans notre pays, dans notre Congo? Et moi, je viens pour stopper l'hémorragie. Très bien, monsieur Gabriel Mokia. Voilà. Maintenant, que comptez-vous? Est-ce que vous avez l'idée, en tout cas, sur l'effectif réel de nos forces armées et même de la police aujourd'hui, en tant que candidat président? Non, je n'ai pas d'idée. Alors, je sais seulement qu'il y a des tribus qui disposent de 35 généraux, chose qui n'existait pas sous mon route. Alors, il y a vous des tribus fabriquées, montées de toutes pièces, qui ont des. Ce sont des tribus aussi qui ne payent pas de dettes. Ce sont des gens avec forte de l'air. Ils ont un traitement de faveur. Oui, mais quelle faveur? Elle est très mauvaise. Faveur. Parce que quand vous avez dans l'armée une seule tribu avec des multitudes de généraux et colonels, c'est-à-dire que vous avez vendu le pays. Alors moi, j'ai bien pour régler tout ça. Chaque tribu aura les gens. Mais vous avez une vision d'avoir au moins combien d'hommes, en tout cas pour les forces armées, pour la police et pour les services de sécurité, ça, en termes de nombre? On n'a pas encore terminé à réfléchir sur ce point avant notre prestation de notre programme. Mais je peux seulement dire que nous sommes 80 millions de Congolais et Congolais. Nous pouvons avoir dans l'armée combien d'hommes? Si on a 1 million d'hommes, 1 million demi d'hommes, ça serait une bonne chose. Parce et en même temps, combien vous comptez payer un militaire par exemple? En tout cas, moi, je dis, si je suis élu... Un général, prenons le plus gradé et le moins gradé par exemple. Vous savez, les militaires coûtent tous aujourd'hui combien? 4 à 6 000 dollars.
c'est le salaire que je vais donner aux généraux. Donc un général touchera 4 000 dollars. 4 000 ou 6 000 dollars. Et il nous recrute la dernière catégorie, combien? 6 000, la dernière catégorie, c'est 600 dollars. Donc, avec un c'est nombre... C'est comme ça partout dans le monde, non? Si on fait un calcul... Quand les députés touchent 12 000 dollars, le dernier fonctionnaire va toucher 1 200 dollars. Et alors là, si on prend l'effectif de 1 million d'hommes multiplié par les... Bon, en prenant les minimums de cela, on prend 1 000 dollars... Donc, on aura plus ou moins 10 milliards de dollars. Mais où le problème? Déjà pour l'armée, le budget de l'armée. Écoutez, nous avons un pays qui regorge tout. Nous avons le cobalt, nous avons des manganèses, nous avons des cuivres, nous avons le cacao, le caoutchouc, nous avons l'eau, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Il y a certaines matières que je n'ai pas ça dans ma tête, mais si papier. Voilà. Pourquoi Dieu a donné de telles richesses à la République démocratique du Congo, n'a pas donné à la Belgique, ni à la France, ni à certains pays? C'est parce que Dieu savait qu'avec la grandeur du Congo, il faut lui donner aussi des richesses. Mais quel est ce qui manque au Congo? Les têtes. La Belgique vit de quoi? De rien. Des taxes. L'Allemagne, qui a une économie forte en Europe, vit que des taxes. Hein? Vous garez la voiture si vous payez. Vous voulez toucher l'argent là-bas qu'on prend. Vous envoie l'argent, on prend. Tout ce que vous faites, c'est des... Donc tout ça, chaque semaine on comptabilise. Deux semaines, un mois, 6 mois, on fait la comptabilité. On a autant. Mais quand vous mesurez ça avec la France, vous savez, là où le pays d'Angela Merkel a marqué à au moins 100 milliards de dollars, la France ne peut en disposer que 40. Alors pour voir qu'il y a la différence dans la gestion. Mais au Congo, les chauffeurs ne payent pas de taxes. Quand vous payez les taxes, c'est pour les gestionnaires des unités. Alors la banque centrale ne reçoit rien. Or que ici nous voulons toujours commencer par les amendes de 10 000 dollars, 1 000 dollars et tout ça. Ce n'est pas comme ça en Europe. Lutte contre la corruption, comme vous le dire, c'est ça. On fixe les montants qu'on peut payer pour les taxes. Mais si, admettons, je prends un exemple. Vous importez un conteneur à Matadi. On dit que les conteneurs, vous allez payer 5 000 dollars pour les dédouaner. Mais en réalité, les conteneurs là peuvent coûter que 2 000 et demi, hein, 2 000 ou 2 500 dollars. Comme ça, quelqu'un qui a amené 10 conteneurs, il paye 25 000 dollars directement, il fait sortir, il vend, et il fait même des tours, vous, l'État, vous touchez. Mais un conteneur à 5 000 dollars, le conteneur reste là pendant 12 mois, Matadi, on ne peut pas les dédouaner parce que c'est trop cher. Voilà la mauvaise politique qu'on nous a amenée dans notre pays. Moi, je viens faire ce que je suis en train de vous dire. Le moins cher va toujours profiter au peuple congolais, va toujours profiter à la banque centrale d'emmagasiner beaucoup d'argent. Voilà. Avec ça maintenant, vous croyez que pour payer 1 million de militaires, ça va me coûter quoi? Rien. Parce que j'ai l'argent. Puisque le budget, au lieu d'avoir un petit budget, je ne sais pas si c'est de combien, si c'est... Voilà, vous Mokia, comme candidat président, vous estimez à combien votre budget? 15 milliards, je vais commencer avec 15 milliards. Mais 15 milliards, vous avez 10 milliards en outils dans l'armée. Vous reste 5 milliards. Non, je commence avec 15 milliards, dans un premier temps. Parce que oui, mais 10 milliards, ils iront dans l'armée. L'année, ça ne compte pas. Je dois avoir un montant que je vais proposer. Avec possibilité d'atteindre 400 dollars que soit débuté. Vous comprenez? Parce que première année, déjà, je ne sais pas. Je vais boucher les coulages qu'on a toujours chanté, mais qu'on n'a jamais bouché. Je vais boucher les coulages, je vais maintenant canaliser l'argent. Au même moment, je vais augmenter maintenant. Parce que si je commence avec... Donc, les généraux devront attendre, ce n'est pas la première année. Nous ne payons pour avoir 4 000 dollars, mais ce sera au fur et à mesure. Oui, nous ne payons pas les impôts. Nous, les Congolais, nous ne payons pas les impôts. Avec 80 millions d'habitants, si je prends 60 seulement qui peuvent payer l'impôt, mais l'argent, la Banque centrale sera bourrée d'argent. Rien que dans ce secteur-là des impôts. Mais si j'ajoute maintenant d'autres secteurs, vous ne voyez pas que je peux atteindre même 80 milliards de dollars dans mon budget. Il n'y a pas de problème, M. Mokia. Je vois que... Je vais dépasser même l'Angola qui a 40 ou 60 milliards de dollars. Ce moi, point, nous allons arriver lorsque nous allons aborder le volet purement économie. Mais là, je reviens au chapitre paix. Gabriel Mokia, la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo d'une manière générale, nous parlons de Beni, Boutembo, nous parlons de Bounia et consorts, cette situation vous enchante-t-elle? Bien.
C'est une situation malheureuse, très très malheureuse, monsieur le journaliste. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, les habitants de ces contrées du pays vivent toujours ces gens de calvaire tous les jours. Mais eux, ils avaient commencé les rébellions là-bas, avec possibilité de faire partir Mobutu parce qu'il était dictateur, parce que. Mais ils sont arrivés, ils ont tué plus que ce que Mobutu ne tuait, pas parce que Mobutu lui protégeait le peuple. Mais les gens ont amené cette culture de tuer uniquement les Congolais pour les richesses de ces pays et pour l'occupation forcée de certains territoires de notre pays. Alors, si c'est moi, la situation qui préoccupe tout le monde. Voilà, quelle sera la situation, quelle sera la solution que Gabriel Mokia va apporter pour cette partie du pays. Voilà. Vous savez, les Belges, quand ils sont arrivés, ils avaient pointé les Bangala comme les guerriers dans l'armée. C'est pourquoi vous avez vu dans l'armée les Bobozo et tant d'autres noms que je peux vous citer. Ils avaient mérité. Ce n'étaient pas les gens nommés comme ça. Parce qu'on voyait leur force de se battre sur le terrain pour apporter des victoires. Tous ces Bangala qui traînent ici, qui étaient dans l'armée, ceux qui sont fatigués, au moins, oui, je vais les recruter avec d'autres provinces. Nous allons former une armée forte pour aller créer une base militaire au niveau de Beni. Dépasser à 50 km de Beni, nous allons nous installer là-bas pour voir. L'état-major général venait d'établir son quartier général sur place. Écoutez, je l'ai dit. La situation n'a pas changé. Je l'ai dit que si je suis élu, je vais établir mon quartier général vers Beni. L'armée est allée s'installer là-bas. Mais on ne peut pas faire comme ce que moi j'avais dit. Mais suivre dans ce que j'ai dit, c'est bon. Mais réaliser ce que moi, j'ai toujours proposé, c'est très difficile. Alors vous proposez quoi? Moi j'avais proposé, si je suis là, je vais agiter des frontières héritées de la colonisation pour que les pays ici, Kampala, l'Ouganda, ne puissent plus venir. Parce que tous ces rebelles-là, ils viennent de l'Ouganda. On attribue ça à un certain Kony, n'est-ce pas? Bon, Kony, ce sont des astuces. Kony, c'est nous, les bambousins, on appelle ça Kony. Donc, c'est-à-dire que les bois de chauffage. Hein? Kony. Bon, comme lui, il veut chauffer les Congolais tous les jours, il faut que les Congolais mettent dans leur tête. Nous devons mettre Mokia pour aller chauffer Kony et chauffer aussi l'Ouganda et Kampala. Donc, la seule personne qui peut aller chauffer ces gens, c'est moi. Parce que les autres, ils ont fait des rébellions avec l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, Éthiopie, tout ça, ils se sont coalisés pour chasser Mobutu. Mais ils n'ont pas la possibilité, la conscience. On peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Pourquoi je vais aller me battre avec un Ougandais pendant qu'ils nous ont prêté mes fortes pour qu'on puisse se retrouver des riches aujourd'hui au Congo? Alors, à ce titre-là, moi, je n'ai pas besoin d'être riche. Moi, je faisais mon café, je faisais le café à Beni. Hein, avec un monsieur qui s'appelait Beni, un petit Mundele, il s'appelait Beni. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller faire là-bas, c'est l'Ouganda qui exploite le café. Alors, je vais remettre en marche tout ce que nous faisions. Mais pour qu'on arrive là, l'armée sera une armée de destruction. Une armée totalement de destruction. Cette armée-là, personne ici en Afrique peut ouvrir sa bouche. Vous allez détruire qui finalement, monsieur Mokia? Vous êtes-il? Vous allez détruire qui? L'armée pour détruire. Mais détruire ce qui vient de vous détruire. Détruire ce qui. Mais pourquoi il a posé la question sur Beni? Parce qu'il y a une force obscure qui vient détruire. Maintenant, je vais créer une armée pour détruire aussi ce qui vient de vous détruire. Et ceux qui viennent aussi nous détruire. Ceux qui viennent violer les mamans congolaises que je suis en train de protéger. Parce que je me suis basé sur mon slogan. Je suis le candidat des mamans. Mamans violées. Seulement. Des papas. Des papas qui souffrent, qui touchent 120 000 francs à chaque fin du mois. Des étudiants qui n'étudient pas par manque des moyens pour payer les frais académiques. Mais je serai là pour aider tous ces étudiants à le faire. Mais alors, pour le faire, pour que j'aie l'argent dans notre pays, je dois protéger les quotas de notre pays avec notre armée. Je vais protéger l'exploitation forestière abusive de certains pays, surtout de l'Ouganda. Le petit frère de Museveni, lui, l'exploite que les bois congolais. Alors moi, je vais stopper ça. En ne stoppant pas, nous allons faire remonter notre économie avec nos propres richesses. Voilà. N'est-ce pas? Non, attendez. Puisque les blancs viennent ici vous tromper avec
un milliard de dollars, mais il récolte beaucoup. Mais moi, au lieu de tromper le peuple congolais, je vais apporter l'intelligence pour que les Congolais eux-mêmes produisent plus de 1 milliard, 4 milliards, 10 milliards de dollars pour servir notre économie. Voilà. Merci, M. Mokia. Alors, j'ai été dans plusieurs secteurs que les gens ne découvrent qu'aujourd'hui. J'ai découvert ça depuis des années. C'est pourquoi les gens croient aujourd'hui, oh non, Bango Baliaka, oh, tout ça. Non. Moi, j'ai produit et j'ai investi. Je récolte les fruits de cela. Le Congo doit produire davantage, investir pour que les militaires, les policiers, les fils de ce pays, les fonctionnaires, les agents de l'État puissent récolter les fruits. Monsieur Mokia, parlons diplomatie. Il y a nos compatriotes congolais refoulés. Pour un simple exemple, prenons le cas de l'Angola. Comment est-ce que Gabriel Mokia a-t-il fait une analyse sur cette situation? Et la République démocratique du Congo, entourée de 9 pays au centre de l'Afrique. Ouais. Voilà, M. Mokia, sur le plan diplomatique, comment comptez-vous vous y prendre? Prenons un simple exemple, j'ai parlé de l'Angola. Si aujourd'hui Gabriel Mokia est élu président de la République, comment est-ce qu'il va chercher à atténuer cette situation diplomatique avec l'Angola? Vous savez pourquoi nous sommes chassés partout comme ça, et surtout par l'Angola? C'est parce que nous sommes faibles. L'Angola vient d'abord tirer le pétrole dans notre territoire national. L'Angola paye. Là où l'argent que l'Angola paye à la République prend une autre direction. Bon, et même ils le disent. Et comme moi je sais que si vous laissez quelqu'un venir voler chez toi à tout moment, il peut commencer même à tuer ta femme, tes enfants, tes amis et à faire tout ce que vous voulez parce qu'il est maître de ton territoire. Vous comprenez? Les Bazombo ont vécu dans notre pays. Aucun gouvernement congolais s'est attaqué à ces Bazombo-là. Parce que les Congolais, c'était un peuple accueillant. Le Congo-Kinshasa, nous avons un pays d'accueil. Mais nos voisins, ce sont nos ennemis permanents. Ils n'aiment pas le peuple congolais. C'est parce qu'ils trouvent que nous laissons notre pays être géré par n'importe qui. Nous ne sommes pas suffisamment mis. Mais on est seulement facile aux injures, aux critiques, au vantardisme. Mais les réalités des faits, les autres voient nos erreurs de loi, comme ça, pousser un peu 10 Congolais là-bas vers le gouvernement de Ferrari. Parce que le gouvernement a la honte. Ces gens, ils se justifient. Moi, dans mon pays, je touche que 50 dollars. Mais là-bas, ils touchent 600 ou 300 dollars par mois. Alors, comme ça, et maintenant, ils font des calculs. Donc, ce ne sont pas des gens, peut-être ce sont des animaux. Comment tu peux payer quelqu'un 70 000? La solution de Mokia. La solution de Mokia. Moi, les Angolais ne vont plus prendre le pétrole dans notre pays, gratuitement comme ça. Les Angolais n'auront pas la possibilité de venir chasser les Congolais comme voleurs ensemble. Puisque moi, je vais protéger les Congolais. Les Congolais vont aimer plus leur pays. Parce qu'avec comment je vais créer les entreprises, créer des richesses, donner du travail. Notre brousse sera maintenant saccagée par le peuple congolais en chômage et nous allons créer, construire de belles villas ailleurs, mettre l'électricité. Les Congolais vont aimer plus leur pays que l'Angola ou par d'autres pays où ils trouvent qu'il faut bon de vivre. S'il fait bon de vivre dans votre pays, qu'est-ce que vous allez chercher à faire Angola? Moi, je dois tout palper les doigts de trouver les solutions pour le peuple congolais. Si je trouve les solutions, les voisins vont devoir nous respecter. Mais les voisins nous respectent parce que eux-mêmes ils voient comment ils volent nos richesses. Nous ne résistons pas. On nous trouve comme des gens bons pour parler, des bons parleurs. Mais l'action, rien. Vous parlez, on vous arrête, on vous tue. Mais au lieu de ça, découdre avec ceux qui viennent violer nos mamans ici. Et attention, avec moi, vous violez une maman. Moi, je vais aller. Je peux chercher à faire violer la femme de votre président. Je le fais arrêter. Parce que je vais détruire votre pays. Sur le plan éthique, vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal. Et sur le plan éthique, vous trouvez ça normal de venir violer une congolaise telle que nous voyons? Il y a quand même une personne qui est déclarée ici chez nous, quoi. Réparateur de femmes. Vous savez pourquoi? Il en a vu des choses abominables que vous minimisez. Mais moi, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui, il m'a dit des choses. Mais je les mets au fond de mon cœur, je sais qu'un jour, je vais régler tous ces problèmes. Parce que si nous réglons nos problèmes, si on respecte nos mamans,
nous respectons nos mamans, on respecte nos territoires, on respecte nos localités. Je crois que vous serez fiers d'être congolais. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui se passe partout. Voilà, je vous donne un autre exemple. Les hindous pakistanais qui font rage ici, qui sont têtus, qui veulent prendre et les autorités, l'armée, la justice et tout en otage. Leur fils a pris une Congolaise de Malouba. 7 ans, je crois, 7 ans ou 4 ou 7 ans. L'a amené dans leur pays. Il a coupé cette fille à plusieurs morceaux, il l'a mis dans une valise, il a brûlé la fille. Les images sont venues ici. On a vu la grandeur et la beauté de la fille congolaise en elle. Les autorités congolaises n'avaient rien fait. Mais si c'était Mokia, d'abord, l'ambassadeur ici, je vais le ligoter. L'ambassadeur de leur pays ici, je vais le ligoter. Et tous ces gens qui sont ici, avec moi, ils ne peuvent pas jouer. Ces images, je les garde. Voilà, c'est bien. Je garde ces images. Voilà que cet exemple-là de notre fille Molouba, tuée d'une manière cruelle, donc on l'a tuée comme ça et ça se passe comme ça. Le gouverneur, ceci, il va là-bas pour aller consoler la famille. Comment on peut consoler la famille? Ces gens sont ici parce que on est trop naïf. On a peur. On laisse les étrangers monter dans nos têtes. Alors moi qui viens, les étrangers, ils vont se conformer à la législation de notre pays. Vous voulez, vous voulez créer des entreprises. Il y a des ministères de plans, des ministères concernés pour vous accueillir. Pas pour venir soudoyer les gens avec de l'argent. J'apprends comme ça, voilà. vous allez voir. C'est voilà, merci on beaucoup. Respecte pas. Merci, je vais vous faire respecter. D'accord, c'est bien, on a compris. Je vais vous faire respecter. On vous n'allez pas commencer à chercher, à aller prier dans les églises pour avoir des visas. Non, on a compris. Monsieur Gerben Mokka, candidat président, c'était la première thématique abordée, paix, sécurité, diplomatie. On voit, et plus ou moins, on comprend que quand vous serez président de la pays, tout le monde va fouiller le Congo. Hein. Apparemment, vous aurez des problèmes avec tout le monde. Ceux qui les gens vont fouiller le Congo. Les problèmes avec les pays voisins. Mais il y a aussi les relations de bon voisinage. Pourquoi pas essayer de vivre mieux avec l'Angola, avec le Burundi, avec le Rwanda, avec la RCA, avec le Burundi? On nous a montré, il n'y a pas la tête de plier l'or congolais. Mais ce qui est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ce qui est vrai, monsieur Gabriel Mokia. Non, mais ce qui est vrai. Vous n'allez pas diriger le Congo en vase clos. Vous aurez besoin d'autres pays pour aussi. Vous m'aimez, moi je vous aime. Vous tuez les Congolais. Ah, vous verrez aussi, c'est que moi je vais le faire. On parle maintenant. Vous savez, excusez-moi. Voilà. Vous savez, il y a 12 millions de morts de Congolaises et Congolais. Vous savez, vous êtes bien en cravate, vous jouez, vous cherchez les femmes, l'argent, belle voiture. Mais les familles qui ont perdu leurs frères, sœurs, papa, maman, va un peu là-bas. Qui console ces gens, les familles? Mais vous trouvez ça comme un amusement. Mais si vous trouvez un chef de l'État qui vient vous protéger, tel que je vous dis ici, oh non, relation de bon voisin. Mais okay. Le Rwanda est tenté de se faire construire avec l'argent de l'État. On a compris, on passe, le sang des peuples on passe congolais. À une autre et maintenant, vous êtes dans la misère. Et on le passe. Rwanda maintenant dans l'opulence et vous voulez faire on a, quoi? On a compris votre vision je sur ne viens pas la avec paix. Une guerre, mais je viens. Voilà, on a compris que vous serez rigoureux. Vous nous aimez, nous on vous aime. Vous venez tuer chez nous. Il y aura des présidents. Voilà, donc, voilà. On a compris que vous serez rigoureux, un président rigoureux. Donc, ça ne passera pas coup sur coup, comme on dit. Deuxième thématique, on parle de réforme institutionnelle. Finalement, pour le Congo, quel genre de leadership faut-il avoir? Pour que nous puissions avoir un État des droits, comme on le veut, un État démocratique, qu'est-ce que vous, en tant que candidat président, vous prévoyez lorsque vous serez président de la République, M. Gabriel Mokka? Mais le tout est déjà là dans notre constitution, même si ça sera amendé. Le tout est là. La démocratie. Ça résume tout ce que vous êtes dit. Quand un État est déclaré démocratique, il a fait mandat, je n'ai pas d'autres atermoiements à faire. Est-ce que Mokka va respecter la constitution? Je vais respecter la constitution. En termes de mandat, par exemple? 5 ans, une fois renouvelable, vous le ferez si vous êtes présent. Ma mère m'a dit que je vous ai mis au monde et vous êtes mon premier fils. Je ne veux pas que vous puissiez boire et fumer. Tu sais, il me disait ça là-bas, à Bruce, à 42 km de Bumba. Moi, j'étais encore trop petit. J'ai capté. Trop petit. Je suis arrivé à Bumba, on jouait au foot, j'étais joueur. Je suis arrivé à Kinshasa comme joueur. Je garde ces paroles de ma mère et je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai jamais pris une bière, cigarette ou commencé à mentir. Donc, vous respectez votre parole. Alors, donc, c'est ça. Comme je vais respecter, j'ai respecté ma propre parole, a fortiori.
Est-ce que vous allez entrevoir des réformes institutionnelles ou constitutionnelles, par exemple, par rapport aux élections, de passer de un tour, le tour unique, au second tour, ou vous allez garder le tour unique actuellement? Vous avez déjà prononcé les réformes. Je dois retourner au détour. Vous savez que vous avez remué... Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai m'appelé... Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens quelque chose. Expliquez-moi. Vous avez difficile à l'expliquer, c'est j'ai ça? J'ai très mal dans votre question. Vous savez que moi, j'ai été arrêté. J'ai fait 3 ans et 6 mois en prison à cause de ce que vous venez de dire. Il y a eu, on voulait modifier l'article. Donc vous avez un mauvais souvenir aussi. Très mauvais souvenir pour ça. On voulait modifier l'article 71 de la Constitution où il y avait des tours. J'ai contredit mon grand frère Kouyagaro, paix à son âme. Je l'ai contredit pendant une semaine. Ils avaient 12 articles à réviser. J'ai trouvé que ces articles, dans votre bureau ici, là, on a discuté avec les Maluma Lucy, avec tout le monde ici, avec les Jean-Claude Kijekusa, qui était avec nous ici. Nous avons discuté cette affaire ici. Nous avons combattu ici. Ici, dans votre télévision. Il n'y avait pas encore des acteurs tels que je vois aujourd'hui. Mais malheureusement, pour qu'on arrive là, moi qui pèse, il fait peur, il faut l'arrêter. On a envoyé quelqu'un pour m'insulter sur le plateau de la télévision. Je suis tombé dans ce piège à les frappant. J'ai été transporté à la prison centrale de Macam. Mais on dit aussi que Mo est trop impulsif. Non. C'est ça aussi votre défaut. Est-ce que demain, il faut comme qu'on a votre il faut pas détruire votre voilà. question. Allez-y, c'est pour renchérir en fait. Il faut pas détruire votre question. Restez toujours dans votre propre logique. Et quand je suis arrivé à prison, ici, il n'y avait pas tellement de gens pour pouvoir défendre l'article 71 de la Constitution. On a révisé la Constitution. L'article 71 est parti et maintenant nous sommes avec un article où il y a que les élections qui ont un tour unique, n'est-ce pas? Moi maintenant, je vais me venger. Si vous voyez la vraie vengeance, dès que j'arrive, les députés de mon pays vont faire retourner faire cette réforme que je vais engager. On va retourner toujours dans ce détour pendant les élections. Parce que s'il y avait les élections à des tours, on ne pouvait pas avoir des atermoiements que nous sommes en train de vivre. Parce que les gens voient seulement un tour, un tel va tricher et tout ça. Mais s'il y avait des tours, on peut maintenant se coaliser. Comme nous, on s'était coalisé derrière Jean-Pierre Bemba. Nous l'avons protégé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et vous sentez, même si vous perdez, et vous sentez que moi, avec tous ceux qui étaient venus derrière moi, on a l'idée, mais à l'impossible. N'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, ce sont des réformes correctes que je vais engager. Réforme de l'administration publique. Comment expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qu'on appelle les nouvelles unités, quelqu'un qui vient, il peut travailler 10 ans, il n'a pas de matricule, il ne touche pas le salaire, mais il vient tous les jours au travail. Dis-moi si ce type est tombé malade. Hein? Nous sommes d'accord. Moi, tous ces gens-là, ils viennent avec des documents, ils viennent me voir. Mais si je veux commencer à tout lire, tout parler, je vais tomber malade aussi, moi. Parce que je ne peux pas imaginer que l'État congolais qui engage, qui prend une personne sur papier, et la personne vient travailler, arriver à la fin du mois, les autres là, ils touchent l'argent, mais la personne reste sur la tête de voie. Pendant 10 ans comme ça, voilà des réformes réelles que je vais engager. On ne peut pas avoir de tels comportements où on engage, où on n'engage pas les gens. Mais comme je vais créer des multitudes d'entreprises publiques. On apporte tout à l'heure l'économie, c'est aussi la troisième thématique qu'on va aborder. C'était prévu que Élisée Odia en aborde, malheureusement il n'est pas là. On va prendre en charge cette troisième thématique, économie. Vous l'avez dit, est-ce que Mokia, que compte-t-il faire quand il sera président de la République sur le plan économique? Vous avez vu le budget de la RDC aujourd'hui, c'est pratiquement à 5 milliards 5-6 milliards. 6 milliards. Mokia aura quel budget pour le pays? Est-ce que vous avez dit que vous êtes les candidats de pauvres, de ces enseignants qui sont impayés pendant des années, de ces médecins qui sont impayés, de ces étudiants qui n'ont pas de bourse d'études, de ces parents qui n'ont pas de moyens pour, en tout cas, réunir le deux bouts du mois, par exemple, qui ne mangent pas finalement, qui n'y a pas de route, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ils ont combien comme salaire? 400. Les médecins ou le qui? Non, les médecins, c'est plus. Les médecins, combien ils auront? Les médecins, comment on les appelle? Les magistrats. Mmh. Les magistrats auront combien comme salaire par exemple? En tout cas, un magistrat ne peut pas toucher moins de 2 500 $. Et le médecin?
Les médecins, idem. Et les enseignants? Les enseignants, il y aura des catégories. Catégories, hein. On parle de professeurs d'université et même des enseignants au niveau secondaire, primaire, comme on le parle. En tout cas, je vous dis la vérité, avec moi, un moniteur de l'école primaire, c'est difficile qu'il puisse toucher moins de 700 dollars. L'équivalent de ça. En tout cas, c'était. Mais le moniteur de l'école primaire, c'est l'éducation de base, non? Mais où est-ce que vous avez trouvé cet argent finalement? Mais j'ai dit que... Où est-ce que vous avez trouvé? Je sais que vous avez fait un peu des affaires. Ouais. Est-ce que... Quelle magie vous allez faire pour que nous passions de 5 milliards à 100 milliards, comme vous le dites par exemple? On a frôlé ici. Je vous ai dit que vous ne payez pas les taxes, les impôts. Quand vous envoyez un agent de fisc, là où on peut payer 500 000 dollars, on paye 150 000 dollars. Lui, il prend 100 000 dollars. Le type là qui devait payer 500 000 dollars, il prend 100 000, il paye, lui il prend 100 000, lui il va aller payer 50 000 dollars seulement. Et l'État paye 350 000. Ces gens-là sont nombreux. C'est pourquoi vous voyez, ils construisent des maisons, ils sont là, ils font du n'importe quoi. Belle voiture, trois femmes, quatre femmes, parce que c'est qu'il prend l'argent gratuitement. Alors, moi, je vais boucher ces trous. Les services présidentiels à la matière seront rodés. Quand vous contrôlez, il y aura toujours les contre-contrôles. Et mes hommes seront rigoureux. Ils vont prêter serment. L'argent va remplir les caisses de l'État. Donc, vous allez créer aussi un service comme le Conseil spécial en matière de lutte contre la corruption, comme bon, on a maintenant. Pour moi, ces ça gens, serait ça... un peu beaucoup plus super. Parce que, vous voyez, ici, aujourd'hui, on crée des services. Quand on a créé un service de l'État pour arrêter ceci, mais quand on amène un dossier, il y a toujours d'autres hommes forts qui sont derrière, même ces services-là commencent à trembler. Alors, quand j'ai compris, moi j'ai fréquenté la plupart de tous ces services. J'ai ma lecture de fait. Et si je me mets à vous dire, vous allez regretter. Mais pour ne pas faire un embrasement de tout, je préfère... Parce qu'on est qu'à 2 mois, moi je peux prendre le pouvoir, je peux régler tout ça moi-même. Au lieu que les gens commencent à faire des glissements dedans, oh non, il a dit ceci, on va faire ceci, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on est un peu sécurisé, il n'y a rien qui peut nous faire. Le problème de vous, Congolais, il faut la production. Vous devez vous habituer à Monkia, la production. Un pays sans production, c'est un pays qui est condamné à vivre comme le Congo. Donc, vous mettez l'accent sur l'agriculture, c'est ça que vous voulez dire? La production, ce n'est pas seulement l'agriculture. Même l'extraction de nos minéraux, c'est toujours la production. Mais il faut que ça prenne une direction normale. À l'époque, on faisait des lingots d'or à Lubumbashi, lingots de cuivre qui venaient à l'Onatra. L'Onatra récupérait l'argent et transitait au chemin de fer qui récupérait et on embarquait à Matadi. Maintenant, tous ces mouvements ne se font plus parce que. Tout ça, le Lubumbashi est carbonisé. Les gens préfèrent aller prendre à la source, transporter ça vers la Zambie, Afrique du Sud. Ils font des milliards, mais les Congo restent un parapauvre. Moi, je vais bloquer. La Zambie, merci, on s'aime beaucoup, on est des pays voisins. Mais je vais construire une route de Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa, où je vais traverser directement pour atteindre Matadi. Aujourd'hui, le trafic à Matadi, c'est foutu. À notre époque, pendant la Deuxième République, c'est le travail que moi je faisais. Il était très difficile de me voir la journée. Parce que je faisais ce qu'il faut pour apporter quelque chose dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, c'est rien. Les gens vivent comme ça, avec les cartes prépayées. Donc vous croyez que vous avez attrapé la mondialisation. Non, vous êtes encore pauvres depuis pauvres. Que les pauvres qu'on n'a jamais vus au Congo. Mais alors, avec cette économie, avec cette production que je vais amener dans notre pays, regardez un peu. Quand vous sortez même devant vous ici, vous trouvez les gens en train de vendre des cartes. En train de se mettre. Papa Nzara, papa Pesanga, oh président, oh Bissokouye, attends, Maya Pamba. Si moi je me promenais avec des bidons d'eau, tu me demandes Maya Pamba, je te dis non, Maya, il faut me donner de l'argent. Maintenant l'argent est transformé en Maya. Parce que le gouvernement n'a pas de gens qui sont capables de redresser ces gens. Mais ce sont les chômeurs. Qu'est-ce que vous ferez aussi? C'est ça aussi la politique. Mais c'est Quelle politique mettrez-vous en place? Laissez-moi maintenant entrer lutte là-bas. Contre le chômage, pardon. Nous avons de nombre important de chômeurs au Congo. Qu'est-ce que vous faites pour résorber cette chômage? Vraiment, Kitoko. Si c'est moi, je vais commencer à produire, je vais retourner dans les plantations. La veste que je porte... C'est le fruit des plantations. Ne vous en faites pas. Je n'ai jamais trouvé l'argent depuis le départ de la Deuxième République. Moi, je n'ai jamais eu de l'argent.
j'évite de mes propres investissements. Si ça boite, je reste à pied dans des taxis. Et si ça remonte, vous me verrez avec une petite voiture à tête de circuler. Parce que j'ai l'esprit de créativité, j'ai l'esprit de la production dans ma tête. Moi, je n'aime pas une vie facile. Moi, je suis habitué depuis des années qu'à produire. Alors, je vais montrer maintenant aux jeunes Congolais. Je ne dois pas faire une chasse à l'homme et tout ça. Non. Je vais donner le goût aux jeunes de faire comme moi, à l'intérieur du pays. Les jeunes qui sont ici vont commencer à rentrer. Un jeune peut quitter la brousse et vient acheter une belle Jeep. Garde ça chez eux. Avec l'argent. Et tous les jeunes qui vont voir ça, tous vont commencer à emboîter les pas. Je vais leur donner des possibilités d'entrer dans des banques. Prendre des crédits. Les crédits seront autorisés à tout Congolais, à n'importe quel coin du pays où ils se trouvent. Pas les banques de criminels ici, les banques de mafiataires qui sont ici. On ne sait pas. Quand un Congolais entre dans une banque pour demander un crédit, il devient un ennemi directement. En 5 ans, vous pouvez créer combien d'emplois? Je vais, pas maintenant, mais je vais le dire d'ici une semaine. Voilà, M. Mokia, une toute dernière question, en tout cas, ouais. Parce que nous sommes on à la fait signe aussi. Que nous sommes presque à la fin. Très bien. Vous avez dit que votre budget, vous prévoyez un budget de 15 milliards. 15 milliards, dans un premier temps. Déjà, dans le débat avec Michel tout à l'heure, 10 milliards allaient déjà dans l'armée. Vous allez rester avec. Il a dit progressivement. Progressivement. Mais vous allez rester avec 5 milliards votre première année. Vous ne pensez pas que rien ne va changer? Parce que c'est pratiquement le même budget que nous avons actuellement. Comment est-ce que M. Mokia va-t-il s'en sortir avec ses infirmiers, avec ses professeurs d'université qui multiplient avec ses chômeurs, nombreuses grèves à travers la République démocratique du Congo? Il ne faut pas axer votre débat dans ces raccourcis. Non. Mais c'est un raccourci si simple. Non. C'est un calcul. 15 milliards, 10 milliards, il ne reste que 5 milliards. Dès que j'entre, au même moment, je vais remonter notre armée à 1 million. Nous avons parlé de 1 million d'hommes. C'est ce qu'il a dit. Oh, je ne vais pas commencer directement avec 1 million d'hommes. Mais je peux commencer avec 15 milliards de dollars. Parce qu'il y a des trous que je vais boucher pour que la manne tombe au niveau de la banque centrale. N'est-ce pas? Progressivement, maintenant, je vais commencer à recruter les militaires pour atteindre le nombre que j'ai estimé ici, avec la possibilité d'être payé, parce que à chaque année, si j'avais un budget de 15 milliards, l'année qui suit, je peux atteindre 20, 22 milliards, 30 milliards, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre mon budget. Moi, je ne dois pas faire un budget archaïque, de routine. Hein? Et je vais voir aussi ce budget, si ça va passer au niveau du Sénat. Aux toilettes, je crois que le Sénat peut se limiter à 3 milliards de dollars. Mais après, ils vont. Oh non, on va faire des correcteurs et tout ça. Rien n'a changé parce qu'on arrive toujours au dépassement budgétaire, dépassement budgétaire. Voilà. Mais c'est... qui croit ça? Et qui accepte? Il y a des dépassements budgétaires dans notre pays, mais les gens trouvent ça normal. Vous aussi, peut-être, vous allez arriver au dépassement budgétaire. Jamais, moi, je vais produire. Pour éviter les dépassements budgétaires, moi, je vais produire. La production, c'est dans ma tête. Tous ces gens qui parlent, ils n'ont jamais parlé de la production. Et ils racontent autre chose. Moi, c'est la production. La production, y compris les impôts, c'est la production. Payer les impôts, payer les taxes, payer ceci, ça va contribuer à ce que mon budget puisse... Et puis, il y a un problème. Oui, vous terminez par là, justement. Quand l'économie n'est pas sécurisée par les entreprises publiques de l'État, c'est un peu difficile. Au Congo, vous ne pouvez pas trouver une entreprise de l'État qui peut vous préparer un bilan au moins à peu près de 500 millions de dollars. C'est impossible. Donc ce sont des entreprises à fermer. Mais moi, je ne vais pas maintenant à fermer ces entreprises. Je vais donner des techniciens à la matière sur tous les plans. Cette entreprise est en faillite et l'autre qui est productive, on prend les moyens, on donne on tout ça, les vrais managers qui vont venir travailler et les budgets, les bilans vont augmenter de 1 milliard et demi dans la tribu. Et l'État va commencer à tirer des dividendes dans leurs impôts. Et vous verrez que je peux même dépasser en matière de budget. Je peux atteindre même 60 milliards de dollars. Parce que vous minimisez votre pays. D'accord. Vous ne connaissez pas la valeur de notre pays, le Congo. Mais ceux qui ont géré, ceux qui gèrent, ils ont des milliards partout dans le monde cachés, mais le Congo reste toujours parapauvre. Alors, il fallait que les peuples congolais puissent se réunir. Qui parle là? C'est Mokia. Qui est Mokia? Notre enfant que nous avons connu pendant 28 ans, il a fait des prisons pour nous.
Et comme il a fait des prisons, il a toujours le même langage. Il a toujours parlé la même chose. On va laisser. Merci. Et puis, on le dit souvent, oh non, le pays est géré par les étrangers, oui. Maintenant, Mokia n'est pas étranger, Mokia est congolais. On a compris. Maintenant, quand Mokia arrive, je vais voir la situation de mon peuple. Je vais voir la situation des étudiants de notre pays, des malades. L'hôpital Mamayemo et d'autres seront réhabilités. On va construire là-dedans. Les médecins là seront très bien payés. Il faut commencer même à donner gratuitement les médicaments aux pauvres, aux gens qui... Au lieu qu'on amène quelqu'un à l'hôpital pour être soigné, directement on le laisse là-bas parce qu'il faut que la famille vienne payer tout ça. On a compris. Ça sera aboli avec Gabriel Mokia. Et les gens vont commencer à venir de partout pour se faire soigner à Mamayemo. Merci, merci, monsieur Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, c'était un débat autour de sa vision. Je crois que tout dans le jour qui suit, comme l'a promis, on aura véritablement son programme de gouvernance. Et on reviendra encore sur ces plateaux pour débattre en tout concrètement sur ces programmes. Le programme de gouvernement sera donné par le premier ministre Mokongo que je vais nommer. J'ai promis au peuple Congo, si je passe, c'est un Mokongo qui sera premier ministre dans mon pays. C'est compris, c'est compris votre promesse. Je vais donner des indications précises. Exactement, on a compris. Et si le premier ministre arrive, il va puiser là-bas avec mon accord, bien sûr, mais je ne peux pas donner un programme tout de suite que je vais faire. Voilà, au moins, on a compris la vision globalement. Merci. Sur les différentes thématiques qu'on a abordées ce soir. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir, Gabriel Mokia, qui est candidat président de la République. Les élections sont prévues, vous savez, le 23 décembre 2018. Il est candidat président pour le compte de son parti, le MDECO, Mouvement des démocrates congolais. C'est avec lui et en compagnie de mon confrère Élisée Ouamara-Kiza que nous avons, en tout cas, eu le temps d'aborder dans les trois thématiques, paix, sécurité, diplomatie, réforme institutionnelle et également économie et infrastructure. Vous l'avez suivi, c'est à vous de décider. Moi, je fixe rendez-vous pour un autre rendez-vous avec un autre candidat président de la République. C'est un grand plaisir. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés justement à pouvoir vous présenter ces rendez-vous, votre magazine de tout le week-end. Merci et à très bientôt.